So these niggas know me, and I've been in my hideout. Had to pump that, get that thump back. Hello, 1-2 step, I run that, get that boom bap dumping. Make your mind step to the side and make your soul 1-2 sing like. Pour un nouveau numéro de Alors on dit quoi. Léna Situation, Squeeze, encore Ange Freddy sont autant de noms que vous voyez défiler sur les réseaux sociaux et qui cumulent des milliers voire des millions de followers. Et qui du coup est aussi sur les réseaux sociaux et qui influence les habitudes d'achat des personnes qui le suivent, un créateur de contenu. Donc il se sert de sa notoriété pour vendre des produits. Exactement, alors qu'un créateur de contenu crée du contenu, de l'image ou de la vidéo pour animer une communauté. Ce matin qui parle. Il est 9h20 et je suis déjà KO. Alors, Nini Cerise est rentrée de Côte d'Ivoire, donc ça c'est la super bonne nouvelle. Désolée, ma voiture, j'ai toujours pas réglé mon problème de caméra dans la voiture. C'était trop bien, je l'ai retrouvée. Elle est quand même très triste de quitter son papa, très triste de quitter la Côte d'Ivoire. Je comprends totalement. Voilà, c'est goumet, comme disent les Ivoiriens. Donc toute la journée, c'était beaucoup de soutien moral et émotionnel parce que elle a beaucoup pleuré. Elle était aussi très très fatiguée de son voyage, donc elle s'endormait un petit peu partout. Mais je voulais vraiment privilégier la nuit, donc j'essayais de limiter les siestes parce que si elle faisait trop de siestes dans la journée, ça allait être compliqué pour dormir. Or ce matin, il y avait école quoi. Mais tu vas où, Cerise? Interview, on va dire ça comme ça, même si c'est pas trop ça. En fait, je participe à un podcast dont le concept est super sympa. Ça s'appelle Anecdate. Et donc, en fait, c'est Émeric, un homme, qui interview des femmes, il me semble, des hommes et des femmes, ou juste des femmes, je sais plus, sur leurs différentes anecdotes amoureuses. Mais ça suit à chaque fois un thème. Et donc, bien évidemment, on a fait appel à votre cerise adorée pour le thème des introvertis. Donc là, je vais à la Gaîté Lyrique. Évidemment, votre
en retard. Bien, j'ai adoré. Je connaissais pas du tout les studios à l'intérieur de la Gaîté Lyrique et voilà, ça s'est bien passé quoi. Ça a duré, c'était beaucoup moins long que ce que j'imaginais. Je pensais que ça allait durer quelque chose comme une heure, un truc comme ça, et en fait, non, pas du tout. Ça a duré 30 minutes à l'enregistrement, donc c'est un format qui est relativement court. Il va l'intégrer dans un documentaire et en juillet, août, il le sortira en format unique et long. Donc on attend de voir. Ça fait un moment que mes chaises dans ma cuisine ne me plaisaient plus trop et qu'elles n'étaient plus forcément adaptées. Elles étaient parfaites quand mes nid-cerises étaient beaucoup plus petites, puisque c'était du coup parfaitement sa taille. Mais par exemple, moi j'ai toujours l'impression d'être suspendue en haut d'un gratte-ciel. Et j'étais hyper contente lorsque Songmix m'a proposé de faire un partenariat avec eux, de pouvoir tester, utiliser et installer chez moi les chaises Vasagl, qui sont des chaises en simili-cuir, hyper design et surtout pas cher du tout. Et elles sont disponibles par deux ou par quatre et dans deux coloris. Moi je les ai pris en marron comme ça parce que je trouvais que ça collait avec l'ambiance de ma cuisine. Je les adore parce qu'elles seront très modernes mais en même temps très confort, très cosy, et je peux vous assurer que lorsqu'on s'assoit dessus, on adore. Ces chaises font d'ailleurs partie de la collection Printemps de chez Vasagl et Songmix, et ça me fait penser que j'ai également pris un nouveau panier de linge chez Songmix. Alors ça peut paraître quand même un peu bête de vous parler, de vous présenter mon nouveau panier de linge, mais quand même on perd de vue à quel point c'est important de trouver le bon, celui qui vous va et surtout celui qui s'intègre parfaitement dans votre intérieur. Moi j'utilise mon panier de linge dans mon dressing, donc j'avais besoin de quelque chose qui soit suffisamment fin et étroit pour pouvoir rentrer dans la pièce qui est quand même un peu restreinte. Il est super pratique parce qu'on n'a pas en fait à le déplacer, puisqu'à l'intérieur se situe un sac qui vous permet de pouvoir déplacer les habits directement jusqu'à la machine. Alors je vous fais une petite présentation comme ça parce que quand même je le trouve hyper design et léger et propre, beau. Alors moi je l'ai mis dans mon dressing, mais il peut complètement avoir sa place dans ma chambre, et d'ailleurs je devrais même y penser. Bref, tout ça pour vous dire que la marque Songmix est vraiment géniale et propose plein de produits différents pour la maison et pour le quotidien. Je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil, je pense que ça vous plaira, vous m'en direz des nouvelles. Coucou, je suis de plus en plus en forme. Pour quelle raison? Mais pour quelle raison, Cerise? Pour la bonne raison que j'ai commencé une cure de luzerne. Alors en fait, je sais pas si vous savez, je suis anémie au dernier degré. D'accord, j'ai une très 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 grave anémie en fer. Et sauf que je ne supporte pas le fer. Donc en fait, peu importe les fers, même fer liposomal, les fers les mieux réputés, les mieux trucs, je ne supporte pas le fer, au point où ma gastro-entérologue m'a prescrit des injections de fer à l'hôpital. Et comme je n'ai pas les piqûres, je ne suis juste jamais allée.
on lui a prescrit de la luzerne, des comprimés de luzerne. Et pour le faire, quoi. Désolée, je suis en train de penser à la maman qui vient de passer et que j'ai saluée. Voilà, des comprimés de luzerne. Et en fait, la luzerne est très, très hautement dosée en fer. Et depuis, je vais dire, 3 semaines, ouais, je prends donc 9 comprimés de luzerne par jour. Donc, c'est ça la cure. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne suis plus fatiguée. En fait, c'est même pas que je suis en forme, c'est juste que je ne suis plus anémiée. Et en fait, en étant anémiée littéralement au troisième degré, au dernier degré, quand je vous dis au dernier degré, c'est qu'à chaque fois que je fais une prise de sang, le laboratoire m'appelle pour me dire que c'est vraiment très grave mon niveau d'anémie. Et je sais, c'est juste que je vis avec depuis tellement longtemps que je suis habituée en fait d'avoir un niveau de fer aussi bas dans le corps et je sais que c'est pas bien du tout. Je suis juste bien. Je me réveille le matin, je ne suis pas épuisée. En fait, de littéralement vivre ma vie normale en n'étant pas épuisée, c'est incroyable. Donc voilà, donc si aussi vous êtes anémié et que vous ne supportez pas le fer comme moi, je vous conseille la luzerne qui est super. Voilà. Alors là, on va aller prendre de l'essence. Ensuite, je dois passer à Kiabi et à BM. Kiabi pour rendre un jean blanc que j'avais commandé, non, que j'avais acheté en 36, mais en fait c'est trop petit, j'avais sous-estimé la taille de mon boule et donc du coup on va le prendre en 38. Et chez BM je dois prendre du terreau parce que du coup ça y est, on est en mars, il faut commencer à planter les plantes si on veut que ça fasse des jolies plantes au début de l'été. Il était plus dispo, il y avait que du 42 comme vous avez vu sur la vidéo, donc je me le suis fait rembourser parce que il n'y en avait même plus en magasin, même sur internet. Donc j'ai récupéré mes 20 euros, et voilà. Kilos de terre, il n'y avait pas moins. Là, je viens de porter 20 kilos, mais je sais pas comment je vais porter 20 kilos pour monter tous mes étages là. Oh, je suis en retard. Enfin, je vais arriver pile s'il n'y a aucun problème avec le trafic, et ça, c'est pas garanti. Mais Cerisette, c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Alors en fait, je vais où comme ça et pourquoi je suis pressée? Je déjeune avec ma cousine. Inès, si vous me suivez sur YouTube depuis longtemps, bah, vous devez très bien savoir qui est Inès. Il y a des années, je vous mettrai le petit truc là, elle vivait à Bordeaux et j'étais partie la voir 2 fois. Et ensuite, elle est partie vivre à Londres avec son petit copain qui aujourd'hui est son mari et père de ses 2 enfants. Donc j'étais partie la voir 2 ou 3 fois et j'avais fait aussi 2 ou 3 vlogs du coup à Londres. Et donc elle est rentrée vivre au Bénin il y a donc 7 ans, et elle y vit depuis, et tout se passe hyper bien. Et donc là, elle est venue en France pour un court séjour. Une chose à vous raconter, j'ai fait mon interview avec RFI que vous avez vu au tout début du vlog. C'était vraiment trop bien, c'était vraiment trop trop bien. Là du coup, pour la première fois, j'ai allé en studio pour enregistrer et pour passer chez RFI. Et comme je l'ai dit sur Instagram, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, c'est l'occasion. Mon père écoutait RFI quand j'étais petite. Et c'était assez incroyable de passer sur une chaîne où j'entendais en fait la radio en permanence quand j'étais plus petite, quoi. Donc c'était beau, il y avait un côté très rond, très circulaire dans ma vie. Et voilà. Et également, peu de temps après, j'ai été invitée par l'ambassadrice du Bénin en France à déjeuner
pour elle nous a invités pour un déjeuner pour la fête, enfin la journée des droits de la femme. Et il y avait donc moi, Flora Coquerel, Olga Johnson, qui est une conseillère de ministre en France ici, et le docteur Joanie Biwa, peut-être que vous connaissez, qui est spécialisée en santé pour les femmes en Afrique. Et donc on est toutes des béninoises, et donc elle nous a donc conviées autour d'un bon repas au Nolinski. C'était hyper inspirant de rencontrer ces femmes-là, de pouvoir échanger, partager vraiment nos réalités de femmes béninoises en France. Et c'est des femmes exceptionnelles, et voilà, c'était un super déjeuner. On a fait une petite photo, je vous la mets là. Et voilà, donc ces temps-ci, ben ça se passe bien pour moi et je suis contente. I like pretending that the moment waits for me instead of knowing that it never does. I close my eyes, having a daydream here. J'ai ramené le soleil. De voir ma cousine, de passer du temps avec elle. Effectivement, sur un coup de tête comme ça, on est parti à l'Institut du Monde Arabe pour aller voir l'expo Parfums d'Orient, que j'avais envie de voir depuis très longtemps. Et du coup, comme on était juste à côté, c'était juste parfait. T'entends le bus. Voilà. Et d'ailleurs, ils nous ont donné du parfum à la fin, qui sent hyper bon. Ça sent super bon, le safran et tout. Et voilà, j'ai passé vraiment un super moment, une belle petite journée en partie, comment vais-je dire ça, non prévue quoi. C'était, c'est toujours super, les trucs non prévus. Allez, allons. I always gotta keep my head up. Always gotta keep my eyes up. Smoking dope, got my eyes low. Off the drugs, kill my idols. Everybody got me fed up. Reminisce when shit was better. But wasn't really ever better. But then I feel like this forever. Always gotta keep my head up. Always gotta keep my eyes up. Smoking dope, got my eyes low. Off the drugs, kill my idols. Everybody got me fed up. Reminisce when shit was better. But wasn't really ever better. Or did I feel like this forever? Step outside. When's the last time I stepped outside? I was probably feeling like I wanna die. Around the last time I said I'm fine. When she asked if she hurt me, I couldn't help but fly back in time. Felt like every pathway aligned. Deja vu, I felt days combined. Deja vu, I felt days combined. I escaped the loop and watched it all unwind. And I saw it straight for the first time. In a form and shape that was by design. Felt like tunnel vision when you get revived. Like I seen the light, like I opened blinds. Like, C'était chic, très chic. Le méridien a pas la soirée.
bien. C'est fresh. Parce que vraiment la soirée là, ça te va. Bon, c'est. We got an A for effort. Vraiment, c'était le travail. Ouais, c'était le boulot. On a gagné notre argent. Always gotta keep my head up. Always gotta keep my eyes up. Smoking dope got my eyes low. Off the drugs kill my eyes though. Everybody got me fed up. Reminiscing shit was better, but was it really ever better? Alors, le voyage scolaire. Ça va. Allez. T'es un peu stressée. Oui. C'est pas grave mon bébé. Ça se passera bien. Oui. Là, on est où, là? Dans la voiture. Mais oui, mais la voiture, elle est garée où? À la... À la gare. Ok. À la gare de quoi? De Dieppe. Ben non, pas la gare de Dieppe, à la gare Saint-Lazare. La gare Saint-Lazare. À Paris. À Paris. Mmh. Donc, on attend 5 minutes, et puis après, il est 9h aller. Pile, et donc, à 9h05, ouais. On va monter. Et on va aller, je vais aller me déposer, je vais aller dans l'église, je suis trop contente. Le voyage scolaire. Hello, mes cerises, il fait beau, hein? Bon, bah ça y est, j'ai déposé Mini Cerise qui part pour son voyage scolaire. J'ai un énorme bouton qui a poussé là. Je sais pas. Bon. Et voilà, la pauvre choupinette était toute tristoune de me laisser. Je l'ai rassurée et tout ça. Et ça va super bien se passer. C'est assez dingue parce que moi, je me rappelle encore de mes voyages scolaires. Je me rappelle du voyage scolaire de CP en Normandie. C'était un peu l'équivalent parce que là, ils vont aller en CP, ils vont en Normandie. Elle, c'est en séjour immersif en anglais. Donc, ils sont dans un château anglais. Dieppe, et je suis hyper contente pour elle. Et voilà, donc c'est ce que je lui souhaite. Et moi, ça fait une semaine de liberté en plus. De liberté, j'exagère, j'adore mon rôle de maman. Mais là, du coup, bah, déjà, je suis beaucoup plus libre de mon emploi du temps pendant une semaine, pendant 5 jours. Et je vais aussi pouvoir sortir le soir sans forcément demander à ma mère de me garder ma fille. Je vais pouvoir être plutôt à Paris parce que, par exemple, les prochains jours, j'ai des events les matins et ce qui sont assez compliqués à faire pour moi quand je dois la déposer d'abord à l'école avant d'y aller. Donc là, maintenant, tout ça est bien possible pendant une semaine. Vraiment, c'est ma semaine la plus chargée. Je dois passer chez mes parents récupérer le micro du podcast parce que du coup, j'ai pas encore investi. Je prends celui de l'ego de Jésus. J'enregistre du coup un nouvel épisode, le troisième épisode de Minuit et quelques avec Manu qui est en France. Donc du coup, on se retrouve pour la première fois en physique première fois du podcast en physique et trop contente d'enregistrer avec ma copine et surtout, ce sera la première fois qu'elle rentre à la maison. J'ai eu un week-end hyper chargé, compliqué, donc j'ai pas pu faire mon ménage du dimanche. Alors je sais, vous allez me dire, mais Cerise, tu fais ton ménage tous les jours. Qu'est-ce que tu racontes? Mais le dimanche, c'est vraiment la serpillière, bref, le gros ménage. Du coup, j'ai pas pu le faire. Et je sais que Manu est aussi maniaque que moi. Et du coup, je lui ai dit, je suis désolée, ça va pas être propre. J'ai pas fait mon ménage du dimanche et tout ça. Et je sais que, entre guillemets, sur un standard de propreté normal, je suis très propre, mais... De maniaque à maniaque, je sais qu'elle va voir qu'il y a de la saleté. Donc là, je me rends compte, le GPS me dit que j'arrive à 11h et on s'est donné rendez-vous à midi, ce qui me laisse une heure pour niqueler les trucs, ranger le linge qui a séché là, passer la serpillière. Pas vraiment une heure parce qu'en fait c'est 11h chez mes parents, donc je pense 40 minutes de ménage, ouais, ça va le faire. La go de Jésus. La go de Jésus. Maintenant, je peux te filmer dans mes vlogs. Tu es une personnalité connue. Oh là là, Jésus est connu. Quand Jésus est connu, là, nous sommes bien, ma fille. Camille n'est pas en call. Camille est en call, qu'est-ce? La vie de Dieu. Là, on peut entendre Jésus. Ou bien, je vous aime, ma fille.
Hey, elle est là. Elle est bien arrivée. C'est là que la porte elle se ferme avec le courant d'air. Putain, changement d'ambiance. Bienvenue à la maison. J'ai un dans une vidéo. Nuit et Cake, le podcast où les meilleures conversations commencent quand il fait nuit. Dans ce podcast, on parle de toi, de moi et de tout ce qui se passe à l'heure d'Internet. Je suis Stacy. Merde. On va commencer. Ou est-ce que tu veux dire vous écoutez Minuit et Cake et après je dis dans ce podcast et du coup c'est plus naturel pour toi. Vas-y. Vous écoutez Minuit et Cake ou les meilleurs... Ah, c'est le podcast. D'accord. Vous écoutez Minuit et Cake, le podcast où les meilleures conversations commencent quand il fait nul. Dans ce podcast, on parle de toi, de moi et de tout ce qui se passe à l'heure d'Internet. Je suis Stacy, plus connue sous le nom de Cerise. Et moi, Emmanuel, plus connue sous le nom de Emmanuel. Bon. Il est toujours minuit quelque part et on se retrouve pour un troisième épisode où on va parler d'un sujet pour le moins sensible. Et que s'appelle Oreo, la sororité. Et que s'appelle Oreo. And I'm in love. Manu en chérie. Attends, on va pas garder ça. Mais carrément qu'on va le garder. Non, imagine, il écoute le podcast. Mais c'est ça, c'est trop mignon. Même s'il ne savait pas avoir avec la dure. Bref. Oh là là.